Bonsoir à tous les auditeurs de VipRadioOnline.fr. Vous écoutez notre débrief sport MotoGP depuis le circuit de Losail. Doha GP au Qatar. Le pilote niçois Fabio Quartararo sur Yamaha a décroché la 4e victoire de sa carrière dans la catégorie reine. Sa dernière victoire remontait à Barcelone le 27 septembre 2020. À Doha, Fabio a devancé son compatriote Johan Zarco sur Ducati qui prend une magnifique 2e place. Ce fut donc un doublé historique inédit pour la France car c'est la première fois que deux Français prennent les deux premières places. Bravo à nos tricolores. La dernière fois qu'il y a eu deux Français sur un podium, c'était en 1954 et ils n'avaient pas les deux premières places. Suite de la course, l'Espagnol Jorge Martin complète le podium de cette course à Doha avec la 3e position. Il est suivi par ses compatriotes Rins 4e et Maverick Vinales 5e sur Yamaha. On retrouve l'Italien Franco Morbidelli en 12e place et Valentino Rossi en 16e position. Deux abandons à noter dans cette course, les Espagnols Lecuena et Marquez. Concernant le classement des pilotes, Johan Zarco, premier, 40 points. Deuxième, Vinales, 36 points. Troisième, Fabio Quartararo, 36 points. Quatrième, Bagnaia. Cinquième, Rins. Le prochain Grand Prix aura lieu dans 15 jours, dimanche 18 avril, à Portimao, au Portugal. Jérôme, RVPB, VipRadioOnline.fr.